terminer une corde 2, tu vas kicker. Kick le plus vite possible. Alors, si tu peux pas sauter, tu vas tomber, ok? Sinon, on va très très vite en jambe, ok? Allez, encore. Va tout vite. Sinon, tu fais tranquillement. Ok? Allez, encore. 4, 3, 2, 1. Même principe que tout à l'heure. Tu as le choix. Soit tu fais rien. Si tu peux, marche. De façon active. Le prochain, tu vas venir toucher le sol avec tes deux mains. Si tu peux, tu impulses. Tu touches le sol, tu impulses. Touche, impulse. Pour ceux qui ne peuvent pas, là, tranquillement, je monte sur pointe de pied. Touche le sol, monte sur pointe. Touche, monte. Allez. Même principe. Rien, on marche activement. Le prochain, pareil, deux options. 4, 3, 2. L'option 1, tu touches. Touche les talons. Tu peux pas, tu cherches pas. Panta. Ok? Panta. Ou impulse, touche talon. Impulse, touche talon. Ok? Choisis. N'oublie pas quand tu fais les pantins de pointer les pieds. Pousse. Les autres, vous continuez à impulser, toucher les talons le plus haut possible. Et on marche. Pour rien. Le prochain, il concerne les bras. Tu vas venir taper pour tout le monde. Ceux qui ont des problèmes d'épaule, je préfère que vous restiez le long du corps. Les autres là, je sais pas si tu vois, mais je tape. Hein. Je tape vraiment très très fort et très tonique. Allez, on renforce le long du corps. Tu peux le faire là si tu as des problèmes d'épaule. Tu pousses là. Pas d'élévation, pas de choses qui te font mal. Tu continues à marcher. Même principe, tu récupères, tu marques, tu as une bouteille d'eau à proximité, tu t'hydrates. Hein? Bras. Alors, rotation, les doigts pointés le plus loin possible, tu tournes. Même principe que tout à l'heure, ceux qui ont des pathologies au niveau de la ceinture scapulaire, vous restez en bas. Allez, les autres. On tourne. Encore. Tout. N'oublie pas d'éloigner tes mains du corps. Le plus tu le feras loin, plus tu raffermis. Allez, encore. 3, 2, 1. Tu marches. Le prochain, c'est exactement l'identique. Tu changes de sens de rotation. C'est tout. D'accord? N'oublie pas que si tu as des problèmes au niveau des épaules, je ne veux pas que tu restes en haut. Hein. Tu fais les mêmes choses que moi, mais en bas. Ok, on change de sens. S'il y en a qui ont oublié dans quel sens ils tournaient précédemment. Dès qu'on sort du confinement, le lundi matin, hein, 10h30, vous rejoignez. Je fais des cours de gym mémoire. Ça va faire du bien. Allez, on continue à faire du step touch ou la marche. Mais en tout cas, tu bouges le bas du corps et tu tournes. Et tu vas au bout du cycle, hein, tu ne t'écoutes pas. Allez, tout le monde est capable de le faire. 3, 2, 1. Et on marche. Abaisse tes bras, mets tes mains en pingouin, tu vas voir que ça va faire du bien. Ok? On repart sur un cycle jambes. 4, 3, 2, 1. On va alterner, 2 à droite, 2 à gauche. Allez, si tu peux, va vite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et hop. Allez, on va vite. Reste en aisance respiratoire sinon, tranquille. De à droite, de à gauche. Toujours le même principe. La jambe d'appui est fléchie. Ok? Allez, les autres, on se bouge. 2, 2, 2, 2. Et marche.
On va savoir. On va travailler la taille sur le prochain. Allez. Bassin rétroversion. Fesse en arrière. Abdominaux rentrés. Je pivote de droite à gauche. Même principe, si tu ne peux pas aller à la même vitesse, tu vas moins vite. Tourne, tourne, tourne. Allez, on affine la taille. Travaille le haut du corps. Effectue une pression dans tes mains. Pousse une main contre l'autre. Pousse, pousse, travaille ta taille. Les jambes ne bougent pas.